Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 35 de notre incroyable aventure sur Star Wars et Jedi Survivor. Et autant vous dire qu'on a été régalé en cinématique et tutti quanti, évidemment. On va se mettre nos petits points là où je pense, évidemment, c'est-à-dire dans la maîtrise du sabre laser. Je ne sais pas ce que vous entendiez par là. Et on verra l'âme dansante. Vous lancez vos deux sabres. Ah, ça, c'est avec le maniement double, évidemment. L1, ok, bon, on va prendre ça, allez, on va se régaler, on est là pour se faire plaisir, donc il faut sauter et faire triangle, hein, vous l'aurez compris. Nous sommes, je pense, vers la fin du jeu, ça se ressent, hein. Vous avez vu quand on est dans la méditation, ça commence à être rouge autour de nous, les gars, c'est qu'on commence à penser à des choses assez horribles. Allez, c'est la glace, ça me rappelle Illum, on en a vécu des choses. Oh oui. Est-ce que ça va? Je crois que oui. C'était quoi ça? Est-ce que c'était... Je ne sais pas ce que c'était. Si tu le sens à nouveau, dis-le-moi. D'accord. Bien. Ok. Ah, enfin, j'étais mort d'inquiétude. Attends. Non, dis rien. Il s'est battu contre toute la base, c'est ça? Tout à fait. Ok, Cal. Aucune trace de Baud. On a zéro compas. Dites-moi la vérité, je suis capable de l'encaisser. On l'a perdu, c'est cuit. Il reste un compas. Si tu reçois ce message, tu sais où je l'ai laissé. Mais si le compas a disparu, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas un simple adieu. Il y a un autre moyen d'arriver à Tanalor. Active les complexes et aligne-les sur les coordonnées intégrées à ce message. Il y a un centre de contrôle ici. Si on aligne les complexes, on peut ouvrir une trajectoire à travers l'abysse. Une seconde, que ce soit bien clair. Vous voulez que je dirige le Mantis dans une nébuleuse mangeuse de vaisseaux, à travers un tunnel créé par une invention vieille de 200 ans? Oui. Ok, je signe. Ok, bon. Ça sent bon cette petite dings. Aligner les complexes au bord du gouffre. Et maintenant, direction... Complexe, tout ça. Direction ici, tout simplement. Enfin, comment on peut être sûr que ça va marcher, cette histoire? On ne peut pas. Donc on active ces complexes, quoi que ça puisse être. On fait un trou dans l'abysse et on fonce dedans. Oui, ça résume bien. Allez, j'espère que ça va pas friser. Au moment où il nous dit qu'on est prêt, on va save, comme ça on est sûr qu'on est un peu tranquille. C'est un temps de chargement, hein, vous l'aurez compris, hein, dès qu'on est dans cet effet-là. Et dès qu'il nous dit que c'est bon, c'est qu'on est arrivé. C'est beau, hein. Je suis en train de m'amuser à regarder, Cal, les reflets. On est bientôt arrivé. Voilà, voilà. J'étais en train de regarder les reflets sur la texture métallique du vaisseau. Et bordel, c'est pas RTX, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, on arrive à en faire de ces trucs, hein, je vous le dis. Hein. Ça sent pas bon, ça. On va donc aller dans les abysses. Vous le sentez arriver, ce problème? Alors, nous voici là où à peu près tout a commencé. Et il va falloir aller là-dedans, là. Très bien. Mais alors, attendez. La vraie question... Je te chevauche, tu es rose, tu es trop bien. Okay. Maintenant, reviens par ici. Alors, bougez pas parce que là, je... I don't understand.
Oh, waouh. Les collines indomptées. Et sûrement indomptables. On descend. C'est là-dedans, non ? Beaucoup de communication impériale. Ouais. Ça va, toi ? J'ai atteint le centre de contrôle. Je te fais signe si j'ai des problèmes. Bienvenue. Je suis Santari, directrice de ce complexe expérimental. Le protocole de sécurité exige la présence d'une personne tant que les complexes sont actifs. Grise, à moins que l'un de nous veuille rester en arrière, il faut quelqu'un ici pour activer les complexes. Non, oui, et bien sûr. Je vais me renseigner. Voir si on a un candidat au suicide. Peut-être Turgle. Peut-être pas Turgle. Ok, un petit secret. Bien. Harmonie. La harmonie des esprits. Ok. On repart. Perve ça. Attends, mais on va aller dans un complexe de fou là ou. Je commence à bégayer. Ça met nous ça. Oh non 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 non. Oh non 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 non, l'infrastructure. C'est plus des petits cailloux. Hein. Oh waouh. On va encore avoir un truc avec des lasers. Ok. La force est avec moi. Bah la force est avec moi aussi mon frère. Mais oh, qu'est-ce que c'est que cette énigme à la con. Il y en a 5 activés si j'ai bien compris. Waouh. Des Purge Troopers. Qu'est-ce qu'ils font là? Ok. Bien joué. Beaucoup trop fort. Bien joué. Il est beaucoup trop fort. Ils sont beaucoup trop forts. Yeah. C'est infernal. C'est infernal, il récupère si vite. Allez, ça dégage. J'ai compris comment on joue avec vous, les gars. Allez, vos purge troopers à la con là, j'ai compris, c'est bon. Hein. Pas à moi, Zinedine, pas à moi. Me protéger. Oh là là. C'est pas vrai. Je suis diabolique là comme ça là. Diabolique ouf! Tu m'échapperas pas! Ok. Incroyable ce mode! J'dur! Ok, ça en prend. C'est pas vrai! Ok, on va dans ma home, dans ma machine. C'est évident. C'était évident. Allez. Oh non, je croyais que c'était... Oh, il y avait le signe comme quoi c'était la fin. Hey mortel toi hein. Mais c'est bon, ça s'arrêtera jamais. Oh waouh. Maintenant BD.
Il craint pas cette fois une grenade? Comment ça, mon frère? Allez, s'il vous plaît, laissez-moi 2 minutes. C'est infernal, c'est infernal. Ok. Allez, dégage. Non, vraiment, laissez-moi 2 minutes. Peut-être que Baud les a prévenus. Putain, mais quelle angoisse, hein! Impressionnant. Voilà donc ton royaume. Je travaille avec des scientifiques de talent. Aucun n'est aussi talentueux que toi, Santari. Et pourtant, nous sommes dans une impasse. Tu seras peut-être mon porte-bonheur. Ok. Waouh. C'est prometteur. Okay. Pas mal pour un site abandonné. Tous les complexes sont en ligne. Maintenant, il faut les activer. Ah ouais? Tria du bouclier de site pendant l'évacuation. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Nous voulons étudier l'abysse, ce que nous appelons la matière de Kobo. Grâce à la technologie ondulatoire, nous avons pu dissiper la matière de Kobo, nous permettant de sonder l'abysse plus profondément. Qu'est-ce qui nous attend dans l'abysse de Kobo? Rejoignez-moi, et nous le découvrirons ensemble. Eh ben, je vais rejoindre la sauvegarde. Parce que là, c'est assez terrible. J'espère qu'ils vont pas tous réapparaître, sinon je me fous en l'air. C'est parti. Allez, déconnez pas, c'est pas le moment, s'il vous plaît. Il faut bouger. Déconnez pas, c'est pas le moment. It's not the time, please. Ok, c'est bon. Bon, allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. Au moins, ça sera ça, éviter de refaire, et j'ai récupéré l'intégralité de mes steams. Ok, bonsoir, bonsoir. Je peux pas appeler l'ascenseur d'ici. Ah ? Et là, peut-être ? Allez sur le pont d'observation pour lancer l'alignement. Je dois reconnaître que Cri avait pensé à tout. Waouh ! Opération des yeux ! Ok. Ça, c'est quoi ça ? Y a pas de steam en plus ? Là, je pense qu'il faut que je passe par là. Encore un ascenseur. L'ascenseur n'est pas là. Ok, toujours pas. Zed, t'es là. Grise m'a informé que tu avais besoin d'aide. Alors ben voilà. C'est un long voyage. Pas facile pour toi. J'ai peut-être 200 ans, mais je suis aussi vive qu'un Padawan. Incroyable. Oh, cœur, c'est tout bonnement merveilleux. Tu pourras tout lancer quand on sera en place. Oh, je serai à tes ordres. Ce serait un honneur de voir le rêve de Maître Cri reprendre vie. Pour ton maître. Ok. Destination débloquée, direction l'abysse. Ça, c'est bien ça. Vous doutez bien que ça va swinguer. Oh, je suis parti avec style. Elle a dû kiffer. Le robot, l'androïde là. Ok, ok, ok. Bon, bah, on retourne au Mantis. On retourne au Mantis, BD. Ensuite, on plongera dans l'abysse. Ça me plaît pas non plus, mais c'est le seul moyen d'arriver sur Tanalore. Hâte de voir à quoi peut ressembler ce Tanalore, cette planète dont on nous parle tant. Cette arche de tranquillité et de paix. Cette arche où plus personne ne peut les trouver dans l'Empire. Waouh, c'est un bel ascenseur, tellement long. Waouh. Ok. Bon. Eh bien, on est reparti. J'espère que je vais pas me faire aggro, parce que j'en ai marre. Mais bon, bonsoir. On a l'air d'être tranquille. Ok.
Ouais, c'était un petit traquenard, quoi. C'était pour voir si on était encore capable de franchir cette étape-là. Allez, petite save ici encore. Ah, on ne save jamais en trop, vous le savez. Toujours garantir au cas où. Il y a un boss ou une connerie comme ça. Non, ça s'arrête plus, les ascenseurs, j'en ai marre. Ça va que c'est un mini-ascenseur, celui-là. Allez, on est bon. Heureusement que le Mantis était pas loin, je vous le dis. Waouh! Ça, c'était pour vous montrer à quel point j'étais stylé, quand même. Et... parfait. Je sais plus comment on appelle une bête. Attends. Comment on appelle une bête? J'en ai plus aucune putain d'idée. Où est le Mantis? Il est par là, non? Il est là. De nouveaux personnages et des nouvelles conversations sont disponibles au saloon. Oui, bon, on va pas perdre plus de temps que ça. Il m'a fallu quand même quelques mois pour vous proposer la fin. Et je le conçois, évidemment, de ce let's play. Donc, autant aller au bout, évidemment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de quêtes secondaires. C'est beaucoup plus grand que le précédent. Ils sont sur la bonne voie. Énormément de bugs hein, à la sortie. Mais ils restent quand même sur la bonne voie. Allez, c'est parti, direction les abysses, les amis. Ça va swinguer, je vous le dis. On peut y aller? Bien sûr qu'on peut y aller. Allez. Il est en typose des barres. Il est en type. Oh, ils sont tous en typose. Ah, les bugs, c'est pour Bibi. À chaque fois, je suis mort. La typose, c'est quand l'intelligence artificielle et tout n'est pas dans le PNJ, en fait. Le PNJ, c'est juste son apparence, son enveloppe physique modélisée dans le jeu. Et il est vide. Vide de tout esprit, vide d'ordre donné par le jeu en lui-même. Et donc, tous les personnages, quand tout est vide, eh ben, ils sont en typose sur un environnement... J'espère que Grise est prêt pour un voyage mouvementé. Infini. Interagissez avec l'holotable. Alors attendez. Cal, c'est l'heure ? On se dirige vers l'abysse. Active les complexes. Je vais vous observer d'ici. Que la force soit avec vous tous. Et avec toi, Azed. Tu crois que Z met si longtemps? Dagan Gera était le seul à avoir vécu ce qu'on s'apprête à faire. Au moins, on mourra ensemble. Hé, hey, super discours, les enfants. Avec un peu de chance, ils mettront ça sur ma tombe. Regardez. C'est ce que les autres pauvres malheureux ont dit avant de se faire broyer par un vortex. Super, c'est une course d'obstacles maintenant. Mais tu es plus rapide. Arrête de piloter et commence à voler.
Je détourne la puissance des déflecteurs vers les moteurs. Quoi ? T'es malade ? Tu sacrifies la sécurité pour la vitesse ? Exactement. On compte sur toi, mon pote. T'as raison. C'est mon vaisseau, après tout. Ici, va gérer, bébé ! C'est moi ou c'est ce tunnel qui se rapproche un peu trop ? Non, c'est pas toi. Zed, dis-moi ce qui se passe. Les complexes sont interrupteurs ! Je ne peux rien y faire ! Il faut aller plus vite. Eh oh, je vais aussi vite que possible. Eh, attends un peu. T'es complètement fou. Si tu sautes dans l'hyperespace à l'aveugle, on va retrouver des bouts du Mantis dans toute la bordure extérieure. Tu me fais confiance ? Tu sais bien que oui, Cal. Allez, c'est parti. Maintenant. Dark à trois bras. Eh bien, au moins personne n'a perdu son calme. Waouh. J'espère que ça valait le coup. Nous y voilà. Cette planète tant attendue. Ok, allez, une petite save, ça tu connais, c'est la base, évidemment. Bon, alors, maintenant que nous sommes enfin arrivés, qu'est-ce qui va bien pouvoir nous attendre ? De l'eau pure, parfaitement bleue et transparente, c'est beau, ça me plaît. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Attendez, j'ai envie de... Je veux me faire plaisir pour la fin. Personnalisation. Moustache, non. C'est pas ça que je voulais. Attendez. Oh, quoique. Quoique, sur un malentendu, c'est stylé en vrai. C'est stylé. Ok. Le haut. Le haut, ça ne change rien, on est d'accord, je ne suis point fou. Ah, le haut, c'est les gants. Ok. On s'en fout du haut. Pour le coup. Oh, c'est stylé, j'aime bien. Ok. La beubare en est bien. Peut-être une nouvelle Pecou. Oh. Non. On est très très bien. Voici donc Tanalore. Tu t'attendais pas à ça ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Tant de choses ont changé depuis que j'ai entendu son nom pour la première fois. Je vous avoue que même moi, je ne savais pas trop pour m'attendre. Hein. Dagan et Santari Cree voyaient leur avenir ici. On voit où ça les a menés. Ils auraient vécu quoi, d'amour et d'eau fraîche, là, littéralement ? Il y a moyen, hein. Il n'y a même pas une petite maison de construite, il n'y a rien, il y avait tout à faire ici, ça va pas, ça. Les jardins verdoyants, waouh.
Ok, j'ai failli mourir. Hein. Impossible que ça se termine bien avec Baud. Il a déjà utilisé sa paternité pour justifier sa trahison et ses meurtres. Maintenant, il est pris au piège. Sans espoir de fuite. Pour lui, c'est tuer ou être tué. Ah, vous savez ce que ça veut dire? Alors? Dis quelque chose! T'as raison. Et pour Kata, elle est pas beaucoup plus jeune qu'on l'était quand on nous a pris nos familles. Je sais. Toi et moi, on va traîner ça pour le restant de nos jours. Mais Kata a encore une chance. Oui, c'est vrai. Très bien. On donnera à Baud une chance de se rendre. Pour Kata. Et pour nous. On s'imagine déjà en train de l'adopter? Ok. Bon, bah c'est que dans l'issue, on va gagner ce combat. Baud, on arrive. On arrive et tu vas nous régaler, mon frère. Oh. Oh. Ça va, il se passe rien de l'autre côté, il lui arrive rien. Bonsoir. J'arrête pas de penser à ce que Seré a dit une fois. C'était un avertissement. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Je ressens tellement de haine envers Baud. Seré a remporté sa lutte contre le côté obscur. Tu remporteras la tienne. Il est encore là. Tant mieux. Ok. Le fameux temple Jedi. Oh. Un petit écho. Tiens, tiens, tiens. On se replie au temple. Les Nils encerclent notre position. Maître Guerra, ceci est un ordre. Ah, mais il avait trouvé Tanalor alors, Dagan. Ah, mais oui, c'est sur Tanalor qu'il s'est fait envahir. Pour trahison, me semble-t-il, ou un truc comme ça. Ok. Eh ben, on est parti, les amis, dans le temple que Dagan et ses disciples ont construit. Tu entends ? Kata. Toute la nuit, je chanterai pour toi. Si tu veilles sur moi. Ok, Atrium du Temple, c'est parti les amis. Combat final. Tes amis sont si brillants. BD1. Salut Kata, voici Meryn. C'est une amie. Je suis désolée que papa t'ait blessé. Ouais. Il a dit que je te reverrai jamais. Qu'est-ce que vous faites ici? Kata, ton père a volé quelque chose d'important. On va lui demander de nous le rendre. Tu veux bien nous montrer le chemin? D'accord. Suivez-moi. J'aime pas cet endroit. C'est sombre et isolé. Tu n'as pas à avoir peur. C'est mieux ? T'es super jolie. Kata! Comment vous êtes arrivé là? Ça n'a pas été simple. Vous n'auriez pas dû nous suivre! Papa, non! N'approche pas, Kata.
C'est le seul moyen de te protéger. Elle sera en sécurité. Je te le promets, Baud. Mais écoute-moi. C'est terminé. Dépose tes armes. Cette planète sera un refuge pour ceux qui sont persécutés par l'Empire. Y compris Kata. Et toi? En attendant, tu dois te rendre. Maintenant. Va-t'en, Kata. Écoute-la, s'il te plaît. Ça suffit! C'est à moi de décider comment protéger ma famille! Oh, l'entêté! L'entêté! Ok. Distrais-le. Okay. Je frapperai depuis les endroits. Stylé, mais... fort aussi, waouh! Yeah! C'est une bombe! Aucune chance! Ok. Tu vas mourir. Ok. C'est ça. Suis-toi ton sang. Il est dur. Allez. C'est dur. Quelle déception. C'est fini, Kiki. Ah ouais, mais alors attends, avec tout ce qui s'enchaîne là, je comprends rien. Pas de Kata. Oh non.
n'est pas. Eh bien, wesh. Ok. Je sais pas comment t'as survécu. BD. Team BD. Non, tu déconnes! Il fallait que je succombe! Mourir.
connais tes attaques. Tu peux pas me vaincre, Cal. Que j'étais dessus presque. Oh, j'en pouvais plus, ça faisait une heure, les gars. Oh, j'ai trop ému. N'inflige pas ça. Ah, si je parlais pas, c'est que c'était tendu, hein. Aude, on sait ce que ça fait d'être orphelin. S'il te plaît, écoute-les, papa. D'accord. Et quand l'Empire sera là, est-ce que vous serez capable de protéger ma fille? Je suis désolé, Kata. J'ai essayé. Comment te sens-tu? Mieux. Merci. Bien. On devrait discuter. Je n'étais pas beaucoup plus âgée que toi quand j'ai perdu ma famille. J'ai vécu avec cette douleur pendant des années. Je ne voulais pas aller mieux. Pourquoi? Je pensais que si j'oubliais la douleur, j'oublierais aussi les personnes que j'aimais.
Mais je me trompais. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait aussi perdu sa famille. Ensemble, nous avons trouvé une manière de survivre. Cette douleur est la tienne. Elle fait partie de toi. Quand ma maman est morte, ça a changé, papa. Et moi aussi, je pense. Oui. Mais elle n'a pas à te définir. Et tu ne dois surtout pas la laisser te submerger. Montrer le chemin. Le moment venu. Vous m'avez appris ce que ça implique d'être un Jedi. Et vous n'êtes plus là. On va perpétuer votre héritage, Céré. On va construire quelque chose qui survivra à l'Empire. Je vous le promets, je vous le promets. Mais j'ai peur. J'ai bien failli me perdre. Je
pas si je suis prêt. Je sais pas si je suis prêt pour tout ce qui nous attend. Cal, guide-la à travers les ténèbres. Waouh! Bon, c'est la fin, les amis, de Jedi Survivor, Star Wars, évidemment, vous l'aurez compris. Le boss final, 45 minutes, 40-45 minutes à peu près, je m'y suis pris à plusieurs fois, il était très très chaud. J'ai serré les fesses, je peux vous le dire, lors de l'affrontement, c'était infernal. Je commençais à m'énerver et serrer très très fort la manette, pour être très honnête avec vous. Bref, j'espère que cette aventure, même si un peu longue, je vous l'avoue, vous a plu. Évidemment, moi en tout cas, elle m'a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire sur la fin. Franchement, on est du même niveau que Jedi Fallen Order. Reste à voir ce qui nous réserve pour la suite. On veut une série sur Cal Kestis, une vraie série avec le véritable acteur qui joue Cal Kestis, parce que ça serait juste exceptionnel. En tout cas, vraiment, ce Star Wars Jedi Survivor était non seulement gourmand, c'était une aventure gourmande, parce que bien plus grande, espace bien plus ouvert, beaucoup plus de petits trucs secondaires, des petits trucs dissimulés à gauche, à droite, vraiment, c'était une aventure gourmande. Gros point négatif, ceci dit, c'est vrai que quand on a commencé cette aventure, pendant, honnêtement, les deux premiers mois, hein, soyons francs, c'était catastrophique, hein. Le framerate était catastrophique, il y avait des bugs tout le temps, à chaque épisode à peu près j'avais un restart de la console, c'était assez terrible à ce niveau-là, IA a patché de plus en plus, et force est d'admettre qu'au bout de 3 mois à peu près, le jeu était devenu tel qu'il aurait dû être à sa sortie, et donc les premiers épisodes, bah, c'était pas très beau hein, de proposer ça, mais ils se sont rattrapés, et puis on a pu finir cette aventure évidemment, comme il se doit, et surtout dans de très bonnes conditions. Bref, j'ai vraiment, vraiment aimé, vous l'aurez compris, ce jeu. Il m'a fallu beaucoup de temps, mine de rien, 35 épisodes, c'est beaucoup, les amis, c'est beaucoup pour un let's play. Les jeux sont de plus en plus longs, tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'avant, une aventure prenait à peu près 10, 12, 15 épisodes, 20 max. Là, 35, ça commence à faire, donc tant mieux. Ça veut dire que les jeux, avec le temps, sont de plus en plus longs. Et là, pour le coup, c'était pas rempli de rien. J'ai beaucoup aimé le délire de Bod, qui est en fait un Jedi, etc., etc. Non, vraiment, franchement, dans l'histoire, on aimerait vraiment une série sur Cal Kestis. Ça serait exceptionnel. Et le jeu était très, très bon. J'ai beaucoup aimé. Donc, vivement une potentielle suite. Les amis, il est temps de se laisser. J'espère que cette aventure vous a plu. N'oubliez pas encore une fois, je le rappelle, mais le j'aime et le commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous fais de gros bisous, à bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye tout le monde. Eh ben, c'est pas vraiment ce qu'on attendait, mais cet endroit, c'est chez nous maintenant. Oui, Grise. Oui, il faut croire. Mais on a encore beaucoup de travail. Ça va prendre du temps de contacter le passage. Et trouver les anachorètes. Et construire un saloon. Cet endroit est flippant, mais il y a du potentiel pour créer une franchise. Cet objet te revient. Ça nous revient à tous.
Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on tente le coup? Oui. Allons-y. C'est ça qu'on veut. Génial. Allez, je parie ta faim. Je vais te faire un truc à manger. T'as déjà mangé du steak de Skaz? Aventure terminée.